Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre de Jean-Paul Ronecker qui s'appelle Les runes, la magie de leur pouvoir. Alors, c'est un livre que je trouve très intéressant parce qu'il présente un petit peu le contexte, l'environnement des runes. Donc, vous voyez ici, ça débute bien, on a un extrait de Shakespeare qui parle de la mythologie nordique. Voilà, on a des extraits de poèmes. Donc c'est vraiment, on est vraiment tout de suite immergé dans l'histoire, dans la grande histoire en fait qui a entouré la création de ces runes. Alors après, on a une petite partie aussi sur l'origine des runes. Ce qui est très intéressant que je ne savais pas, c'est qu'en fait le système de runes est très ancien. On retrouve même des traces, on va dire pré-runique, mais avec des bases de runes dans des cavernes de la préhistoire. Donc on voit que c'est vraiment un système qui est avec cette magie très ancienne. Alors, donc voilà, on a un certain nombre de choses, il a fait des correspondances entre les divers signes, voilà, avec des exemples. Et puis donc après, on va rentrer dans la partie esprit des runes. Et là, dans cette partie esprit des runes, on a un petit peu tout ce qui entoure en fait la société, comme il dit, la société germanique qui les a vus naître. Donc un peu qui étaient ces peuples du Nord? Est-ce que c'était des gros barbares comme on a un peu l'habitude de le voir dans des films ou enfin, dans la représentation classique? Ben non, pas du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'on est assez dans la façon qu'on a eu d'apprendre les peuples nordiques, il y a eu une sorte de travers. C'était un peuple avec une vie sociale. Voilà, on n'est pas du tout sur des idées de peuple de barbares. Voilà. Alors après cette partie-là, on a le pouvoir des runes. Pour bien comprendre les runes, c'est très intéressant de se plonger dans l'histoire des gens qui ont créé ces runes. Alors, première chose, tout d'abord, leur utilisation magique est certainement antérieure à leur finalité divinatoire. Voilà. Donc, c'est plutôt au Moyen-Âge, un peu comme pour les cartes de tarot, qu'on a ce développement et puis cette utilisation des runes en tant qu'instrument divinatoire. Par contre, y a toujours eu cette notion un peu de magie. Alors voilà, et on a des extraits de bouquins, et puis après, donc, on a une présentation des maîtres et maîtresses des runes, donc qui étaient les gens qui utilisaient ces runes pour faire de la divination. Enfin, on arrive à quelque chose qui m'a beaucoup plu et que je voulais vous lire. Quelle que soit votre opinion sur le savoir runique, vous devez comprendre que les runes ne possèdent aucun pouvoir propre et indépendant. Ce pouvoir se trouve en vous. Et le seul pouvoir des runes, si on accepte, oui, leur activité dans le domaine des émissions d'ondes de forme, lorsqu'elles sont utilisées comme talismans, est de révéler les capacités psychiques du jeteur ou de la jeteuse de runes. Voilà, ça j'aime énormément. Pour moi, c'est un livre, juste pour ça, c'est un livre intelligent et qui parle vraiment de la divination de façon juste et en tout cas juste pour moi. Voilà. Alors, j'avais mis un petit papier pour vous le lire. Après, on attaque les runes. Et puis, donc, on a le truc un peu classique, c'est-à-dire la division en trois, hein, parce que les runes sont divisées en trois familles, plus une rune qui fait partie d'aucune famille, enfin une rune. En tout cas, une rune sur laquelle il n'y a pas d'inscription. Donc voilà, alors là, on a les huit premières runes qui se rapportent au monde matériel. Et puis, on va commencer avec, par exemple, la Féo ou Féou. Là on a la signification avec une explication importante aussi liée au mythe qui est lié à la rune. Ça c'est un petit peu long, donc on a plein d'explications qui sont, je trouve, très bien aussi. Et puis après on a la signification divinatoire avec, voilà, si elle est droite, elle indique la richesse potentielle, etc. Mais celle-ci doit être partagée, utilisée à bon escient. Si elle est renversée, voilà un peu
un petit peu la signification. Alors ça apporte, c'est pas seulement des significations divinatoires à 100%, ce sont des significations qui apportent des pistes de réflexion aussi, et ça j'aime beaucoup. Après on a l'utilisation des runes dans les différents domaines qui est tout prémâché. Donc on a au niveau affectif, on la voit droite, on la voit renversée, qu'est-ce que ça veut dire? Santé, matériel, professionnel, spirituel, psychologique. Donc c'est très détaillé et je trouve, du coup, c'est vraiment un livre qui va donner le contexte d'utilisation des runes pour pouvoir bien s'en imprégner. On a vraiment tout dans ce livre pour se mettre en condition, pour bien comprendre le contexte, pour devenir un bon chaman, pour pouvoir utiliser les runes. Et en même temps, on a des choses qui sont très utiles pour l'interprétation. Chaque fois, on a vraiment l'association de la rune avec ce qu'elle signifie. Donc là, le buffle sauvage, ses cornes, le symbole du pouvoir brut. Donc on a des choses qui peuvent nous aider à retenir la signification des runes. Puis enfin, à la fin, on a comment jeter les runes avec des exemples de tirage. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de tirage. Et puis des exemples d'interprétation. Comme pour le tarot, c'est très intéressant d'avoir des exemples d'interprétation parce que ça permet d'apprendre et de voir comme, voilà, quelqu'un qui connaît bien les runes, comment est-ce qu'il va interpréter tel tirage. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'apprendre comme ça. À la fin, on a un glossaire. Donc, qu'est-ce que c'est les As, par exemple? C'est la dynastie des dieux du ciel indo-européen, dieu de la souveraineté et de la puissance. C'est pas mal quand on commence. Moi, je ne suis pas du tout calée en mythologie nordique, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir ce petit glossaire à la fin. C'est vraiment un livre que je recommande sur les runes. Il a cette capacité à nous plonger dans le monde ancien et donc à nous faire toucher du doigt un peu cette magie qui était la magie d'autrefois. Et c'est donc après, ça va nous permettre de pouvoir jeter les runes de façon beaucoup plus juste et de les interpréter de façon beaucoup plus juste. Et puis aussi d'apprendre plus facilement la signification de ces runes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas toujours facile de présenter un livre en vidéo, mais bon, j'espère que ça vous aura donné le plus d'informations possible pour voir si c'est un livre qui vous correspond ou pas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!